Bonjour à tous, on se retrouve pour notre vendredi en poésie. J'ai choisi de vous lire aujourd'hui un poème de Pierre Reverdy, qui est un auteur français, première moitié du XXe siècle, et qui a eu beaucoup d'influence sur toutes les générations de poètes qui ont suivi. C'est un auteur qui est souvent cité par les poètes comme un poète de référence. Alors, j'ai feuilleté ce petit recueil qui s'appelle « Sable mouvant », et puis j'ai choisi un poème voilà, qui m'a beaucoup plu, qui m'a parlé, donc je vais vous le lire. Il s'appelle « Profil céleste ». L'ombre descend tout à coup dans les rayons des branches. Les toits glissent sans bruit sous la même fraîcheur. Des rires de bonheur coulent de la fenêtre et la clarté revient du mur jusqu'au front de la tête et des arbres. Dans l'angle où se croisent des lignes de couleur. Dans la lumière tendre où l'avenir se cache, il y a un souvenir qui tourne, s'arrête et me menace. Puis le profil d'en haut s'abat sur l'horizon, écrase mon désir et prend toute la place. Quand même, il faut partir. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai bien aimé ce poème. Il m'a parlé. Voilà. Peut-être je vous en lis un autre, un tout petit. J'avais en tête, voilà, il s'appelle Compotier. C'est une série où il parle d'objets du quotidien. Voilà, Compotier. Une main vers les fruits dressés s'avance et, timidement, comme une abeille, les survole. Le cercle où se glissent les doigts est tendu dessous comme un piège. Puis reprennent leur vol, laissant au fond du plat une cicatrice vermeille, une goutte de sang, de miel, au bout des ongles. Entre la lumière et les dents, la trame du désir tisse la coupe aux lèvres. Voilà cette parole poétique que notre esprit rationnel aimerait bien pouvoir saisir. Et il y a toujours quelque chose qui nous glisse dessous les pieds, comme si on nous retirait constamment un tapis. Et au fond, on ne comprend pas, mais on ressent. Et moi, c'est ça que j'aime tellement avec la poésie. C'est ça que je trouve... C'est ça que j'aime, ouais. Ouais, ça m'oblige à sentir. Ben voilà, je vous souhaite un bon week-end. Et puis on se retrouve mardi pour un prochain poème. Voilà, n'hésitez pas à partager si vous avez des poèmes, des poètes que vous aimez. Je suis toujours ravie de découvrir de nouvelles choses. Donc n'hésitez pas à me les envoyer. Voilà. Bonne soirée!